Bonjour à tous, je reviens avec un partenariat make-up. Je viens juste de le recevoir à l'instant, il y a quelques minutes. Voilà, donc c'est un partenariat de la marque Modelite. Vous savez que j'adore cette marque, je vous ai présenté des petites palettes de cette marque. Voilà, ce sont les cosmétiques Modelite, vous les retrouvez dans plusieurs enseignes comme Jiffy, Babou et autres enseignes. Voilà, donc je vais ouvrir la petite enveloppe qui a l'air bien garnie et je vais vous montrer tout ça. Donc mes petites lingettes pour faire les swatchs. Donc je remercie la marque Modelite de m'avoir fait confiance et de me permettre de tester d'autres produits. Voilà, donc je vais ouvrir tout ça. Donc c'est bien fermé. Donc c'est vraiment un unboxing partenariat en fin de compte. Waouh! Alors dedans, vous avez les nouveautés Modelite, vous avez une petite carte comme ceci. Bonjour Sylvie, comme promis, nous avons le plaisir de t'envoyer ces petits cadeaux afin de te remercier de l'intérêt que tu portes à notre marque. À bientôt, Modelite. Voilà, c'est vraiment très gentil, ça je vais vraiment le garder. C'est très très beau. Alors ce sont des nouveautés. Alors, premièrement, je vois une jolie palette ombre à paupières Modelite HD haute définition. Ce sont des nudes. C'est la palette de 12 couleurs, la 02 cannelle. Voilà, je vous montre si vous voulez, si ça vous intéresse. Donc, c'est une jolie palette ombre à paupières HD donc, haute définition. Donc, je ne la connais pas du tout. Donc, ce sont des nouveautés. Vous avez un pinceau dedans, un pinceau mousse et un pinceau pour estomper. Voilà, donc après on va faire les swatchs. Vous avez du vert, j'aime bien mettre du vert de temps en temps, du marron. Vraiment très très belle. Oups. Donc on va faire les swatchs. Donc déjà, premier produit. Ensuite, deuxième produit. C'est un crayon. Alors tout est très bien emballé, c'est un crayon... Crayon yeux automatique Modelite. Modelite ou Modelite, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc je pense que c'est peut-être un crayon qui se tourne. Enfin, il est emballé, on verra ça ensemble. C'est un crayon couleur noire, le 01 noir. Voilà. Et troisième produit, c'est un spray fixateur de maquillage. Alors ça, j'en ai jamais testé. J'en ai un de chez Primark, mais c'est un fixateur avant le maquillage. Et là, c'est un fixateur de maquillage. Alors là, j'ai vraiment hâte de tester tout ça. Je vous ferai une vidéo avec ces trois produits pour les tester, pour vous montrer la qualité des produits, si ça me convient ou pas. Hein. Enfin, je connais cette marque, normalement, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, le fixateur de maquillage, je suis très très contente aussi. Je ne connais pas du tout, j'ai jamais testé de fixateur de maquillage. Alors, assure une tenue parfaite du maquillage Modelite. Alors, c'est le spray comme ceci, fixateur de maquillage. Donc, vraiment top. Alors, vous avez un contenant de 28 ml. Voilà. J'espère que vous verrez bien. C'est un petit spray comme ceci. Donc, je suis très, très contente. Alors, on va passer au swatch de la palette. Qui est comme ceci. Donc je vais enlever le pinceau. Et franchement, c'est très très gentil pour la petite carte, pour la petite attention. C'est vraiment super gentil. Hein. Alors on va passer deux par deux comme ceci. Ou non, je vais passer par la première ligne plutôt. Donc là, c'est un vert un peu kaki métallisé. À côté, vous avez un vert foncé. Ensuite, vous avez un blanc nacré, non, un blanc mat, vous avez un, alors ça c'est un mat, un marron mat, un blanc mat, et vous avez deux autres marrons mat. Voilà, ceux-là sont mat, et le reste sont irisés pailletés. Donc voici déjà les deux couleurs, je vais en reprendre un petit peu pour bien vous faire les swatchs. Le blanc mat... Le marron mat
je vais vous faire les petits swatchs. Je pense que je vais les faire sur la main. Hop. Sur le bras plutôt. Donc voici déjà les couleurs. J'espère qu'on verra bien. Non, il vaut mieux que je me mette comme ceci. Donc, je vous ai déjà fait 4 couleurs. Voilà. Donc je reprends une petite lingette pour essuyer entre deux. Et on va continuer les swatchs. Alors ensuite, je prends ensuite le marron mat. Je crois que j'ai loupé une couleur. Ah non, non. J'ai loupé cette couleur-ci, le marron pailleté. J'ai pas fait dans l'ordre du coup. Celui-ci. Ensuite, on va passer au marron mat en dessous. Et la couleur à côté. Voilà, qui est un peu un noisette métallisé. Alors, je vais les mettre à côté. Hop, hop, et hop. Alors, par contre, je ne sais pas si vous arriverez à voir. Là, je pense que oui. Et j'ai juste effleuré les fards. Hein. J'ai pas trop insisté. Donc, ensuite, on va swatcher les 4 dernières couleurs. Donc, plutôt pas mal. Bon, les mats n'ont pas l'air spécialement bien pigmentés, mais quoique le blanc, si, ça va. Après, avoir sur les yeux. Hein. Alors ensuite, les 4 dernières couleurs sont des tonalités de nude, nude marron. Donc, il y a celui-ci. 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 Et celui-ci. Peut-être cette couleur-ci qu'on ne voit pas trop. Alors, comment je vais faire? Et hop, voici les swatchs. Je ne sais pas si vous verrez bien toutes les couleurs. Il en reste encore sur les mains. Donc, je pense que si on humidifie le pinceau, ça doit être d'autant plus intense. Voilà, donc à tester sur les yeux. J'aime bien le vert un peu, ce vert-ci qui est un petit peu, comment vous dire, un peu un vert kaki. Celui-ci, là, il me tente beaucoup. J'aime bien ce style de couleur. C'est pour un maquillage tous les jours, de tous les jours, c'est plutôt top. Elle n'a pas l'air trop poudreuse, hein, quand on regarde bien. Donc franchement, je suis hyper contente, je ne la connaissais pas du tout. Voilà, elle se présente comme ceci. Voilà, les swatchs, on va essayer de faire, hop. Voilà ce que ça donne. Alors j'espère que vous verrez bien mes swatchs par contre. Et donc, c'est la Ombre à paupières HD haute définition. Je vous marque la référence. Donc, c'est la 02 Cannelle. La référence est RFADO02. Voilà. Et c'est la société Unicosme Cosmétique. Voilà, si vous voulez faire une petite capture d'écran, Unicosme Cosmétique. Bah franchement, j'ai hâte de tester cette palette sur les yeux. Donc, je vous remontre les petits swatchs. Le spray, j'ai vraiment hâte aussi. J'en avais pas du tout des sprays fixateurs. Ensuite, on va déballer le crayon. Voilà. Donc, je ne pourrais pas vous dire le prix des palettes. En général, c'est aux alentours des 4 ou 5 euros, il me semble. Le spray, je ne l'ai jamais vu encore en magasin. Donc, je ne pourrais pas vous dire.
Alors oui, c'est un crayon rétractable comme ceci, vous voyez. Ça, j'adore. Pas besoin de le tailler. On va faire un petit swatch sur la main. Très très bien, il est très fin. Vous pouvez l'intensifier aussi. Voilà ce que ça donne. Alors je dirais que c'est entre noir et marron. Moi, c'est parfait pour moi, j'adore. Voici la mine. Voilà, plutôt top, hein. Franchement, hâte de tester tout ça en vidéo. Et ben franchement, je suis super contente de ces produits-ci, ces crayons yeux automatiques Modélite. Voilà, et dedans, vous avez combien de grammes? 0,25 grammes. Voilà, donc Modélite, c'est la marque Unicosmétique. Unicosmétique. Ensuite, le spray fixateur. Alors ça, j'en ai jamais eu pour fixer le make-up. Donc, j'ai hâte de tester aussi. Et la jolie palette dans les tons de nude. Parfait pour aller au travail tous les jours. Voilà, je vous la remontre. Hein, c'est la 02 Cannelle. Et voici cette magnifique palette. Donc, vous avez le blanc qui est mat, le marron qui est mat aussi. Ensuite, vous avez ce marron foncé qui est mat. Et ce taupe un peu qui est mat aussi. Je ne saurais pas vous dire la couleur. Voilà, vous avez des mats et des irisés. Donc, franchement, très très belle découverte. Je vous remontre les swatchs sur mon bras. Voilà, bah écoutez, je vais vous mettre le lien de Modélite en barre d'infos. Voilà, je vais vous mettre le site du lien Modélite. N'hésitez pas à aller voir leur Instagram, ils postent souvent des nouveautés. Voilà. Et donc, je suis super contente de ce partenariat, hein, Modélite. Franchement, j'adore leur marque. Donc, je suis très contente de pouvoir tester tout ceci et je remercie beaucoup Modélite pour m'avoir envoyé gracieusement ces produits-ci. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye bye.